Nous sortons de notre monde et nous avec Dieu pour vivre la différence. Je bénis Dieu pour la parole d'encouragement qui envoie des témoignages pour cette parole prophétique des mois passés. Jusqu'à ce matin, Nayabi ba message ba tuebele o bazo pambo la zambe qui bazalaki vraiment affecté totalement la parole prophétique il y a mois passé. Jusqu'à ce matin, j'ai reçu des messages des personnes qui étaient vraiment affectées positivement par la parole. Zambe oyo azana biso na réconciliation na lina jure que azana biso na renouvellement. J'aimerais te rassurer que le Dieu de la réconciliation, c'est le même Dieu du renouvellement. Et bien, les gens qui parlent, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit, réconciliation. Nombreuses personnes, selon leur dire, pensent que nous devons toujours rester dans la réconciliation. Totalement, moi, il t'a pris ta lobby, papa Crispin, parce que c'est bien. Et Adam, quand on dit pour l'anga, papa Crispin, va te bêler, va l'obi l'anga. L'obi, Penza, et Zonzi, va mon anzela, et un message à préparation pour Nabiso, pour enlèvement, pour raconte, na Yeshu Masiya. Et c'est un message qui nous prépare au danse avec les rois. Nangunga to komi. Au temps dans lequel nous sommes. Alors, tout ce qui est caché sera révélé. Et c'est à ce moment ici, au boye, banani yaye, banani bazaye. Et c'est à ce temps que nous allons découvrir qui sont siens et qui ne le sont pas. Alléluia. Amen. Ezan konga oyo ifo mutunamutu a préparé zelane. C'est durant ce temps que chacun doit préparer. A préparé kotambolane. Amen. Alléluia. Amen. Lo lengi ozo tambola. La manière de te conseiller. C'est très important. C'est très important. Togoti na sanza ya réconciliation. Nous sortons du mois de réconciliation. Réconciliation de Nitolobi Eza quand il y a misattente. Entre deux personnes, ba vendre ici, ba saline ici, ba bong ici. Les gens qui ba tomi ba le, ba pepa na ki après ba lingi ba yoka na ba bong ici. Maintenant, renouvellement spirituel. Le renouvellement spirituel. Eza, très important. Eza, mon puyami. Quand tu zo lo ba na o etali renouvellement. Quand tu zo lo ba na o etali ko zongi sa sika. C'est-à-dire, ko changer état ya eloko et comme à nouveau. Et cela veut dire changer l'état de quelque chose qui commençait déjà à expirer, que cela redevient nouveau. Changement qui crée un état nouveau. Et ça, bon, moi, là, où ils ont mes malolémiens à Makamboyasika. Renouveau. Koyana Makamboyasika. Alléluia. Amen. Et loco, peut-être, est aussi là. Une chose peut-être qui commençait déjà ma à s'agir. La force qui est expirée. Mais nous aussi, renouvellement. Yo, aux zones ici, sous ma casse, il y a six cas. Alléluia. Amen.
Selon mon dictionnaire, c'est action de renouveler. Alléluia. Amen. Ko renouveler. Ko son se loko ya. Yasika. Et na lingine toki na ngonga to komi. J'aimerais te dire en ces temps-ci, on a besoin de renouvellement spirituel. C'est le nom de la parole de Dieu. Et pele bazo bunga nanzele azambe na ba doctrine oyoba force satanique esprit diabolique et so souffler bango disons révélation or bazo longula nanzele azambe. Et nombreuses personnes s'écartent de la voie de Dieu à cause des doctrines sataniques, pensant qu'ils sont des révélations. Or, ils sont en train de s'écarter. Surtout en ces temps de la fin, au vu et au su de ce qui se passe. Et dans ma camboiseau salem, dans la génération d'Abiso, selon la parole de Dieu a dit, alors, l'amour de plusieurs est pour Zala. So, on a besoin d'un renouvellement total dans tout aspect, même dans notre foi, même dans notre amour pour Dieu. Renouvellement total. L'osambo na ngai na sanza oyo. Ma prière pour ton soir. Pour vivre un renouvellement spirituel. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour vivre un changement qui crée un état nouveau na vie na yo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. To songe li texte na biso principal na sanza oyo. Esaïe 40. À Esaïe chapitre 40, notre texte principal. Isaïe 40, verset 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, version Darby. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Alléluia. Verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur Nangonga tokomi, tous on a besoin d'un renouvellement de notre force spirituelle. Et Natango, tous on a besoin d'un renouvellement de notre force spirituelle. Pour ébeler Baleba. Afin que nombreuses personnes ne puissent pas se lasser à mi-chemin. Makaboyon, c'est au Salimalelo, dans le corps de Christ. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans le corps de Christ. Et au Lemisa, Kondima, Napolingo, Yabatuebele. Cela fait s'affaiblir ou refroidir la foi et l'amour de Dieu. Tout cela sont des stratégies diaboliques. De la fin du temps. Voilà pourquoi on a besoin de renouvellement. J'aime cette phrase à l'obé, mais ceux qui s'attendaient à l'Éternel renouvelleront leur force, énergie. Spirituel. Nzoto oye. Ce corps. Soke bandi ko lemba. Si tu commences à s'affaiblir. Au lieu de premier jour, deux jours, trois jours, sept jours, dixième. Au monde, après quelques temps, nzoto et sota la nini. Et sota la nini. Et loko nini oza la mobe son, bosenga na tamwana. Bilei. Dès que vous lazy, vous renouvelez force wana. De même spirituellement, on a besoin de renouvellement. Amen. Et puis les inabiso ya molim, en tant qu'homme spirituel, c'est la parole de Dieu. Et si tu fais plusieurs jours sans nourrir ton corps, tu verras que ce corps commencera à s'affaiblir de plus en plus. Pour répondre des forces ouvertes, il faudra nourrir ce corps. Et nous, étant hommes et femmes spirituels, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
linga na yalelo kasi ba oyo batia ka motema na yawe bazwa ka makasi ya sika bazwa nini makasi ya sika c'est-à-dire bazalaki kolemba et commencer déjà à s'affaiblir renouvellement ezalini c'est quoi le renouvellement kozwa makasi ya sika c'est répondre les forces nouvelles amen amen kasi ba oyo batia ka mitema na yawe bazwa ka makasi ya sika ndenge kombe kombe elembaka te na kopumbwa bango pe bakimaka mbangu pe balembaka te na ngonga tokomi ata nyonso eye mioza na makasi yako longa eloko yango alléluia amen yango na ngonga tokomi on a besoin de renouvellement. Cela veut dire qu'à bien que courant, tu auras la force d'affronter toute situation qui arrivera. Ma fille encore, va se tromper, Banela Tinasuka. Verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Voilà. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Losambo na ngai ndenge oyoki bisika baninga balembi yo kolemba te eloko elembisi bango ekolembisa yo te alléluia c'est ça un soldat spirituel makambo ezoya ezolembisa bato ebele me soki oza mwana nzambe ya solo oyo oza connecté à sa parole. Tu es l'enfant de Dieu connecté à sa parole. Parole na ye, sa parole est habilée na yo molima. Et ta nourriture spirituelle. Oh, ils ont fortifié yo. Qui fortifie ton esprit. Tant que tu vas l'aimer, yo zana makasi. Quand les autres s'affaiblissent, toi tu seras fort. Tant que tu vas au kuluma, yo zokima. Quand les autres marchent, toi tu seras fort. Nouvelle yo soya et kolemisa yo te. Aucune nouvelle ne va s'affaiblir. Oza bébé spirituel te. Parce que tu n'es pas un bébé spirituel. Alléluia. Amen. Ce qui affermit ton voisin ne va pas t'affermir. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Ce qui s'attendait, ça c'est la première chose toko kiko le kisangote. Mais ce qui s'attendait, c'est-à-dire pour le renouvellement. Il faut créer temps. Alléluia. Amen. Bah oyo, bah s'attendre à l'Éternel. C'est-à-dire bah vendre. Alléluia. Amen. Bah concentrer. Amen. Bah continuer la communion. Pour bah soigner ni makas. Bah on va se tendre la Yahweh. On se met pesa mobima. Pour être on se makas yasika. Mutu aliete azana nzala oyebi kokovanda bako yeta ke no ezana na moto bazo lamba me ozo satan ozo sanini ozo zela ozo zela ozo pola ozo anini olie ozo makasi etango lie quand tu manges avec temps okomona ke makasi ezongi a cause ya bilei oyo oleaki. À cause de la nourriture que tu as mangée, tu verras que tu auras des forces nouvelles. Version français courant, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans s'élasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Nalobien, nangogoyo. Biso tozo avancer. Amen. Biso tozo kede liboso. Amen. Et loko zo zon sa batu sima et kozo kisa biso sima te. Amen. Alors, mais ce qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur. C'est-à-dire, bazo compte te sur. Non, bazo compte sur le Seigneur. Bazo te la batu mote mate. Et comment tu vas compter sur le Seigneur? Negri rote la tane mote ma. À travers de ses paroles, ses promesses. Nantela malaka zaka se lobanaye. Il y a des choses que Dieu dit dans sa parole. Tant que yo continue à kati ya maloba. Donc tu navigues dans sa parole. Et qu'on peut sa yonini makasi. Cette parole va te donner des forces nouvelles. Oyo zwi na maloba na ye. Ce que
tu tires dans sa parole. C'est ce qui va te fortifier. Afin que tu ne puisses pas faiblir. Dans ta foi. Dans ton amour. Durant le temps où nous sommes. Alléluia. Amen. Version parole de vie. Verset 31. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Alléluia. Amen. Ça, c'est un exemple d'Abraham. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il compte sur Dieu. Alléluia. Amen. Il compte toujours sur Dieu. Il connaissait les promesses. Je sais que celui-là qui m'a promis est plus que capable d'accomplir sa promesse. Il compte toujours sur Dieu. Cela lui donnait la force. La parole de Dieu dit qu'il n'a pas affaibli dans sa foi. Parce que foi, il n'a pas affaibli dans sa foi. Il rend gloire à l'Éternel toujours. Et son père, ça y est, force. Cela lui donnait la force. Jusqu'à ce que. Qu'il n'a été. Ce que Dieu lui avait promis. C'était accompli. Bien-aimé. Et la kaya zambe, la promesse de Dieu, et koya kate, ne faillit jamais. Suka suka, enfin de temps, et kokisamaka. Elle s'accomplit. Nalobe suka suka, enfin de temps, et kokisamaka. Elle s'accomplit. Mes problèmes n'ont pas été réglés. Notre problème manque ya konima, kozanga konima, et manque ya patience. Et le manque de patience. La parole de Dieu nous a dit. Le balanzame le dit. Bah oyo ba précédé sont dans la foi. Ceux qui nous ont précédés dans la foi. Par leur foi. Na konima. Et patience. Ils ont obtenu l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu. Bah on va voir qui kokokisa maya et laquelle le balanzame. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. So ngonga to komi. Ce que l'on veut vivre renouvellement, il y a beaucoup de choses. Mais premier, il faut s'attendre, il faut compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Ce sont ces choses que nous allons développer en ce mois. Et je vais te dire aujourd'hui. Pour le renouvellement spirituel, il y a un facteur majeur. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bilei ya zoto oyo eza biloko ya kolia. Bilei ya molimo eza nini liloba. Parce que la nourriture pour ses corps physiques, elle est physique. Mais la nourriture pour l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, mes paroles sont esprit et vie. Et c'est l'esprit qui vivifie. La chair profite de rien. Nous allons entrer dans la profondeur de la parole. C'est la parole de Dieu qui est le facteur principal. Il y a renouvellement. Du renouvellement. Même le Saint-Esprit a renouvelé par la parole de Dieu. Attends, que homme spirituel. Tu as besoin ya bilei ya molimo qui est sa parole. Pour oser la renouveler. Tant que vous aussi la makasi, normalement il faut ça la nini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Tu vas t'aller en go. Nous allons voir cela. Na lingi na sepeli na Colossiens 3. J'ai mes Colossiens chapitre 3. Tu vas t'anga verset 10. Nous allons lire le 10e verset. Colossiens 3. Verset 10, version Darby,
J'ai lu au nom de Jésus. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Renouvelé comment? Le nouvel homme. Dans la connaissance. Renouvelé comment? Dans la connaissance. La nouvelle homme renouvelé dans la comment? La connaissance. Ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Renouvelé en connaissance. Renouvellement est aussi le mananzela anini. Nayokiote. Renouvellement est aussi le mananzela anini. Olingioza la renouvelé et causez un anzela anini. La connaissance. Vous voyez maintenant pourquoi Jésus a dit l'homme spirituel. Quand il parle de nous, l'homme spirituel. Ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole. Connaissance de la parole. Par toute parole. L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de. Après la réconciliation de quoi? Sengeli to renouveler force spirituelle pour to affronter les jours à venir. Les jours à venir sont terribles. Mais pour ceux qui appartiennent à l'Éternel, et longa ils partagent la victoire et leur partage. Voilà pourquoi on doit se renouveler à travers de sa parole. Il a dit dans sa parole dans Osée 4, 6, mon peuple sont détruits faute de la parole. Ce qui est dans le lobby de ma comique, Moutou a vivre seulement à Kolia Chikwa, c'est l'homme légal, lobby Kolia Chikwa, mais a vivre dans le lobby de Maloba et Bimina Munokoya Yao. C'est-à-dire, Maloba est un facteur principal majeur pour le renouvellement spirituel. Si le Christ a dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement par la nourriture qui est physique, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cela veut dire que la parole de Dieu qui est esprit, c'est un facteur majeur pour les renouvellements. Version parole vivante. Et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur. Et sa chemise progressive vers une connaissance toujours plus exacte. Encore. Version parole vivante. Et revêtu l'homme nouveau. Revêtu l'homme nouveau. Qui ne cesse de se renouveler sur les modèles de son Créateur. Voilà. Et s'achemine progressivement vers une connaissance. So, et sur Salema, Nanzela Anini, une certaine connaissance. Connaissance aux autres, des eaux renouvelées après l'image de ton Créateur. La connaissance que tu puisses dans sa parole, c'est celle qui te renouvelle d'après l'image de ton Créateur. Mandela, Maître Bali. Version parole vivante. Et revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur. Sur le modèle, c'est son Créateur. Et sa chemine progresse. Sa chemine progressivement. Tout le monde qui est balané dans la place de l'autre dans la scène dans Romains 12. Et sa chemine progressivement. Vers une connaissance toujours plus exacte. Vers une connaissance toujours plus exacte. Alléluia. Amen. So, la connaissance de la parole est un facteur principal
C'est le facteur principal pour l'homme spirituel, pour le renouvellement. Dengue aussi la canamaskasi physiquement. De même, moto asilaka makasi spirituellement. Il faut se renouveler. Bien que nous pouvons nous épuiser physiquement, de la même manière, on s'épuise aussi spirituellement. Et Seigneur, il faut soigner ça, makasi asilaka. Tant qu'on se renouvelle, homme spirituel, au moment que, mais au commis païen. Malgré que Ozo l'oba Yesu Yesu, mais tu fais des choses toi-même, tu sais que ce que je fais, ce n'est pas normal. Si tu ne renouvelles pas tes forces spirituelles, tu ne renouvelles pas ton nom spirituel, tu verras que bien que tu confesses le nom de Jésus, mais peu à peu, tu redeviens païen. Mm. Colossiens chapitre 3, verset 9, 10, version parole vivante. Oui. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Mm. Car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Verset 10. Et vous vous êtes revêtu de la nature, de la nouvelle nature. De la nouvelle nature. Et vous vous êtes revêtu de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Oh, yo, continuellement à son image. Par quel moyen? Pour que vous les connaissiez parfaitement. Alléluia. Amen. 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 Renouvellement continuellement. Amen. So, ce qui nous conseille, là qu'on a vachement, il y a des différents nabawe tout le temps. Hein? C'est-à-dire renouvellement et ça est là comme encore continuel. Yes. Et c'est le roi son coba. Et ça vient par la connaissance de la parole. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Praise the name of Jesus. Alléluia. Renouvellement est continuel. Le renouvellement est continuel. Le sang qu'on a sans aoué. Ma prière en ce mois. Yambangolo, il y a renouvellement spirituel. Amen. Quand tu es renouvelé spirituellement. Donc, au son ici, ma question à mon lit, mon yassika. Pour qu'on vive la différence. Tu vivras la différence. Ça, c'est automatique. Bon, il y a qu'à la poisson. Alléluia. Amen. C'est automatique. Parce que le renouvellement, tout le monde. Le renouvellement dont nous parlons. Et son mémaillot, graduellement, chaque jour, pour se conformer à l'image de Jésus-Christ. Cela t'amène peu à peu, chaque jour, à te conformer, à ressembler à Christ Jésus. Vous voyez, Dieu et sa parole sont un. Okokiko divisé la parole et basamoko. Dieu est indivisible de sa parole. Ils sont un. Tant qu'on se renouvelle dans la parole, tu ressembles à l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la parole de Dieu est le facteur principal pour le renouvellement spirituel. Et renouvellement spirituel, c'est quelque chose continuel. Vous voyez, aujourd'hui c'est le premier jour depuis qu'on a entré. Aujourd'hui c'est notre premier culte. Parce que école de guérison, on parle de guérison. Aujourd'hui, vendredi et dimanche, on parle de notre parole prophétique pour 7 mois. Amen. Maman, tanga. Colossiens 3, 10, version parole de vie. Merci. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Oui. Cette personne se renouvelle sans cesse. Et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Alléluia. Amen. Et comme si vous avez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne-là, c'est que Léa Yoka, cette personne s'est renouvelée sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Renouvellement spirituel. So, quand nous parlons de renouvellement, changement d'un état, de quelque chose, de quelqu'un, à un état nouveau, renouvelé. Amen.
Ils aient loco ou ils ont salema continuellement sans cesse. Le renouvellement doit se faire continuellement sans pour autant que ça puisse cesser. Voilà pourquoi Daniel a dit. Daniel a l'obé. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Ceux qui connaîtront. Ceux qui connaîtront. 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 Ils seront comment? Et il fait quoi? Des espoirs. La connaissance de Dieu. La connaissance. Zambé a sepelakate na mutu oyo a zangi boye. Dieu ne se plaît pas d'une personne qui n'a pas de connaissance. Alors, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejecterai. C'est grave. Renouvellement sans cesse ne peut pas se faire en dehors de sa parole. Renouvellement sans cesse est lié à 100% à ce que Dieu dit. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Tozana bileya kolia na sanza. Durant ce mois, nous aurons la nourriture qu'on veut. Nassemble les vies, Nayo, et soit transformation totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta vie soit totalement transformée au nom de Jésus. Romains, chapitre 12. Nous allons lire Romains, chapitre 12. À partir du verset 1. À partir du premier verset. Romains 12, verset 1er. Version Darby, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Pour que vous discerniez. Soyez transformés par comment? Le renouvellement. Par comment? Par renouvellement. Continuez, maman. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Alléluia. Oyoki. Version lui second, ça c'est premier matière na au Italie parole prophétique de 7 mois renouvellement spirituel. Nanito yo kapa version nazo clôture calamité. Version lui second, je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Deux, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a beaucoup qui sont ici, disons enfants de Dieu, mais au talivi nabango, ils se confondent déjà avec siècle présent. Or, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Yo, yozo tambola na katia lumière. Il faut oser la différence. Namoutou, yozo tambola na katia ténèbre. Toi qui vis dans la lumière, tu dois être différent de celui qui vit dans les. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Belial. Et l'homme au moment où tu es Christ, on a Satan. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment au cause à la conformité namoklioyo. Alors, soyez comment transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas au comment? Au siècle présent. Au comment? Au siècle présent. Au siècle présent.
na sambeli yambangoluana na sanzawe na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Amen. So solution pour toi à la conformité na mokili na siècle présent. Ezanini. Ezanini. Na nzela ya renouvellement qui se fait par la parole. C'est par le renouvellement au travers de la parole de Dieu. Écoute. Yokagaya. Nalina utilise l'exemple de la médecine. J'aimerais utiliser l'exemple de la médecine. Nazana ban. Nati Patrick. Put as a docteur. Hein? Abotami comme tout le monde. Il est né comme tout le monde. Ok? Amen. Aujourd'hui, tout le monde docteur Patrick Mputu. N'est-ce pas? Il est appelé docteur Patrick Mputu. Abotami en tant que docteur Patrick. Il n'est pas né docteur. Mais quelque chose s'est passé. Et le robot est salami. Ce qui est tourné, tu es devenu docteur aujourd'hui. Ça t'a pris combien d'années? Selon ma connaissance, pas moins de 8 ans. 8 ans. Aujourd'hui, il sait comment presser les médicaments, comment injecter. Parfois, s'il est dans les domaines spécialistes des opérations, il peut t'opérer. Alléluia. Amen. Oh, Poutou, tu es là. Mais tellement, tata, n'a pas dit au Poutou, mettez-la sur ma bonne case. Acclamons l'éternel. Un jour dans notre culte, c'était dimanche ou mercredi. Dimanche. J'ai prié pour une dame comme ça. Et elle a passé par la délivrance parce que le temps d'accouchement était déjà passé, mais elle n'arrive pas à concevoir. Amen. Elle n'arrive pas à accoucher. Et elle a passé par la délivrance presque à la fin du culte. Juste, oui, le bonheur, elle est là. Et dès qu'elle s'est mise debout là-bas, elle a commencé le travail subitement. Elle a accouché ici, dans le temple ici. Mais Clara a dit que notre docteur est là. Et nous avons quelques aussi infirmiers qui sont fait tout et on l'a amené à l'hôpital. Donc, ici derrière nous, j'étais allé pour regarder et prier pour la dame. Alléluia. Amen. Ils ont fait ça calmement. Comment? Parce que il a eu la connaissance dans ce domaine pendant 8 ans. Ce qu'il a fait ce jour-là avec mon onction et mon bradaba, brancadaba et tout, je ne peux rien faire, je regarde seulement. Il était né sans cette bagage intellectuelle de médecin dans son tête. Dans sa tête, tout est zéro. Mais parce que chaque jour, il s'assoit devant un médecin, un professeur de médecin. Chaque jour, quelque chose se passe en lui. Renouvellement. Jusqu'à ce qu'il a eu le maîtrise. Amen. Il a été renouvelé par la connaissance qui vient d'un professeur dans ce domaine de médecine. Alléluia. Amen. Il peut te prescrire, prendre ça. Parce qu'il a passé sous le renouvellement de la parole de quoi? Médecine. Demain, 7 mois ici, par la grâce de Dieu, par la parole qui sort de ses chairs, votre homme spirituel sera renouvelé. Amen. Amen. Comme il est là, je sais bien qu'il n'est pas seul. Il a grand frère, grand sœur ou bien petit. Mais ils sont sortis de même. Mais est-ce que les autres ont cette connaissance de lui? Il est différent. Parce qu'il a passé
par la parole, l'enseignement, la connaissance de médecine qui a renouvelé tout son être. Aujourd'hui, as à mettre dans ses côtés. Au Bengi, na second, docteur Patrick Mputu. Tu as dit, docteur, dans 5 secondes, moins de 2 secondes, docteur Patrick Mputu. Même 1 seconde, docteur Patrick Mputu. C'est docteur-là que tu l'appelles. Et tu es combien? 8 ans. Voilà pourquoi on dit renouvellement de l'homme spirituel sans cesse. Continuel. Maintenant, c'est là où nous avons des problèmes, nous les chrétiens. On voulait que quelqu'un vienne te prophétiser des prophètes douces, te prophétiser. Là, tu es joyeux. Renouveler l'esprit na yo, cet homme nouvel pour y droit na yo. Non, Olinka va prophétiser yo. Aujourd'hui, tout le monde veut être derrière des prophéties. Tout le monde veut qu'on puisse sortir des prophéties sur ta vie et personne ne veut chercher le vrai Dieu. Et Dieu dit, mon peuple sont détruits faute. Parce que tant qu'on a connaissance à l'Iloba, ils ont renouvelé l'homme intérieur. Donc vous acquérez la connaissance de la parole, c'est votre homme intérieur qui est renouvelé. Et quoi affecter vie positivement. Et cela va affecter positivement votre vie. Makambo salaka et sengilo sala, il faut bana oboa kisango, ozo changer de jour en jour. Bazo monake, cet homme azo changer. Et les choses mauvaises que vous faisiez autrefois, vous commencez à les abandonner peu à peu. Et même le monde constate que ces personnes changent réellement. Non, non, je comprends. Ils comprennent ces choses. Vous avez dit, kanda. Tu étais colérique. Tu étais colérique. Mais, au commis moutou, il y a douceur. À cause de l'iloba, on est transformé. Tu étais colérique, mais tu deviens doux à cause de la parole de Dieu qui t'a transformé. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 2, parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie au principe qui régit les siècles présents. Ne conformez pas votre vie au principe qui régit ces siècles présents. Ne copie pas. Ne copie pas. Yo wana ko copier moninga. C'est que présent. Pour na catch. Pour avoir une voiture. Bazo landa ba mibali yo pe o lobi o zamona yo pe zo landa poso ba catch. Bongo so ke ko o ke ko so ba cercueil na yo. Alors si c'est ton cercueil que tu as acheté. Ne copie Tu es différent, tu ne peux pas copier ce que le monde fait. Alléluia. Amen. Ne copie pas le monde et les habitudes du jour. Oh. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Oh, mashallah. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Par le renouvellement. Oh, de yo, tombe teni Yesu mabuku makasi. Par le renouvellement. Par le renouvellement. Omoni nateya kibiso nabanzi mateya ba on. Notre séminaire de on, de papa puissance d'on. Amen. À propos ya comment les zéros sont tombés. Les envahants sont tombés. Bouya. Abaya adultère, colère, par exemple Moïse, à cause de colère, simple colère là. Kakakanda. Moïse qui a payé un grand sacrifice de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais il n'a pas entré dans la terre. À cause de simplement colère.
Regarde seulement au loin, mais tu n'entreras pas. Moïse a salué le monene, comme il s'abat dans Israël, dans Égypte, parce que Nicolo y a Kanda, ça me vient tellement belé à beau, parce qu'il y a Koko Tate. Alléluia. Amen. Et le komuke et puis mes limoutes. Une moindre chose lui a privé des grandes choses. Alléluia. Amen. Ce qui est bien, ma connaissance est à vous. Si tu as par reconnaissance. Au sein où tu as colère, par exemple. Tu es colérique, par exemple. Et qu'on quitte sa colère. C'est là-bas atténuer ta colère. Pour ce monde, danger à colère. Parce que tu vois le danger de la colère. Que copie là, c'est une bénédiction. Et cela peut te priver de certaines bénédictions. Voilà pourquoi tant qu'on compte dans la carte à ma commune. Quand tu entres dans les écritures. Ils sont renouvelés au jour et jour. Cela te renouvelle de jour. Ils sont transformés au jour et jour. Ça te transforme au quotidien. Ça, c'est un sacrifice. Voilà, c'est un sacrifice. Mais ton limite. Mais nous n'aimons pas cela. Prophète, prophétisez tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes doux. Et je te vois. D'ici un mois. Je te vois au sommet. Un mois et hier, sommet mon côté. Après un mois, tu es toujours au bas niveau. Mais bisous mon côté tout lingi. C'est nous-mêmes qui voulons ces choses. Il peut voir, oui. À comment on a solo. Mais bon, ceux qui ont eu un état malamouté. Alors si tu n'es pas un état. Et pourquoi qui s'amante? Ça ne s'accomplira pas. Souka. Enfin les comptes. On a besoin de connaissances. Pour homme intérieur, ils allaient renouveler après l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être contre la mission, il y a quatre raisons à Sika. La mission n'est que Jésus, les amis. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Tanga Bali, tanga les sous place en avant, on a eu qu'à Jonathan. Qui est béni ce soir? Renouvelle. Vous voyez notre verbe de 7 mois, c'est quoi? Renouvelle. Notre verbe, c'est quoi? Renouveler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui t'osa renouveler après l'image de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, Oyebike, Eloka, Amen. Si nous sommes renouvelés selon l'image de Jésus-Christ, t'osa l'anda image, mon corps, Mathieu, mon corps, Nini, Alobi. À mon vision, alobi Yesu, alobi Mobali, qui est Jésus, alinga ya kobala épouse na église, mais azoko kate parce que église ezana nou prête. Il faut tous à la conformer na image na ye pour clic. Yes. Et salema. Nous devons union et salema. Être conformé à son image afin qu'il y ait un appareillage, un couple. Mais à ce moment-là, quelque chose en un état de faiblesse. Il voit que nous sommes encore dans un état de faiblesse. Il y a encore chose en un moussala. Il y a une grande responsabilité. Rapidité. Il y a un moussala dans le pas. Pour l'église et cola. Afin que l'église. Tout le monde a un moussala. Moubali, Nabiso, Yesu Masiya. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude inférieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Oh, à vos pensées une nouvelle orientation. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Jonathan.
Version Shuraki. Je vous exhorte donc, frères, par les matrices d'Elohim, à présenter vos corps en vivant sacrifice, consacré, agréable à Elohim. Oui. À Elohim. Tel est votre service raisonnable. Verset 2. Ne ressemblez pas à cette terre. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. Amen. C'est quoi qui va renouveler votre pensée? La connaissance de sa parole. Tant qu'on continue à la révélation de la parole, et so renouvelé. Cela te renouvelle. Au comique au kokana na makanisineti. Tu ressembles en pensée. Au moment où Esaïe 55 a lobi mes pensées. Ne sont pas comme vos pensées. Voilà. Comme le ciel sont élevés au-dessus de la terre. Albi demain. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Or, comme un homme passe dans son cœur, tel il est. Moi, au matin. Vivre différent que le kalolenge. Tu ne peux pas avoir une expérience plus haute que tes pensées. C'est la parole de Dieu qui a dit ça, c'est pas moi. L'homme est produit de sa manière de penser pendant des années. On peut te donner l'argent, on peut te donner tout 1 million. Si tu as la pensée de pauvreté, tu deviens toujours pauvre. Yes. Par contre, ça a 1 million, si tu as 1 milliard, ce que tu as dans ma bobola, au cosom à la bobola. Comme on pense. Dans son cœur. Tel il est. Si on voulait avoir des résultats comme Dieu, on doit penser comme lui. Et pour penser comme lui, tu dois renouveler ton homme intérieur par sa parole tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Est-ce que nous avons besoin de Amen. Verset 2, une fois de plus. Oui. Ne ressemblez pas à cette terre. Ne ressemblez pas à cette époque. Cette époque. Yes. Ne ressemblez pas à cette Kolanda batu bizaleli abatu amokili. Lo lengi bazo sala makambo. Au lieu de se transformer yozo, s'empirer les sous zonga na sima. Est-ce que c'est normal? Non. Makambo tiki kala oso zongela. Et là, tel y a kala, au comique au songe lango. La mauvaise ancienne accoutrement. Comme la tolo na mokilibango na yotolo mbanda. Et ça m'a pas calé. Est-ce que yo soko eko sala de nuana? Non, na lobi, est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Ne ressemblez pas à cette air. Boko karanaba tu y a les loté. Voilà. Alléluia. Amen. Continue. Ne ressemblez pas à cette air. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. Pour éprouver quelle est la volonté d'Elohim, le bien, l'agréable, le parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Moutoumoko a pambolami? Amen. Est-ce que Moutoumoko a pambolami? Amen. Version message, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Que Dieu vous aide. Prenez votre vie quotidienne et ordinaire. Cela veut dire votre sommeil, votre repas, votre aller au travail, vos promenades. Placez-les devant Dieu comme une offrande. Bandera votre sommeil, votre repas, notre repas, votre aller au travail, vos promenades, placez-les devant Dieu comme une offrande. Alléluia. Acceptez ce que Dieu fait pour vous est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. Alléluia. Verset 2. Ne vous adaptez pas à votre culture. Oh yo.
au point de vous y intégrer sans même y penser. Oh. Au lieu de cela, fixez votre attention sur Dieu. Oh. Vous serez changé de l'intérieur vers l'extérieur. Ma. Betela Yesu ma boku makasi. Vous serez changé. L'homme intérieur sera changé de l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça, parfait. Parfait. C'est tout à fait normal. Si ça, si c'est pas le cas, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Ça doit changer, ça doit nous affecter. Même notre langage doit changer. Notre langage, notre conduite en public. Notre habillement, tout. Alléluia. Amen. Si ça va pas. Ne vous adaptez pas à votre culture au point de vous y intégrer sans même y penser. Au lieu de cela, fixez votre attention sur Dieu. Vous serez changé de l'intérieur vers l'extérieur. Reconnaissez facilement ce qu'il attend de vous et répondez-y rapidement. Contrairement à la culture qui vous entoure, vous entraînant toujours à son niveau d'immaturité, Dieu fait ressortir le meilleur de vous et développe une maturité bien formée en vous. Alléluia. Tobetele Yesu maboko makasi. Acclamons Jésus. Et ce soir, pour clôturer notre introduction de notre parole. Parole prophétique pour ces mois. Mon corps est instrument de renouvellement. Un des instruments. S'il vous plaît, Agabos, Pofumula Ponangai, Bali. Commentaire. Parole vivante. La communion nous a été donnée pour le renouvellement. On va lire, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, ils ont mangé la chair, ils ont appliqué les sons. L'Ancien Testament, quelque chose est passé là spirituellement. Du fait que quand l'ange de destruction est venu, il n'arrive pas à toucher aucune maison des enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes sa maison. La parole de Dieu nous avait dit ceci, que par cette communion, cet acte que nous faisons, nous prenons communion de sa chair et son sang. La parole de Dieu dit que ça nous transmet sa nature divine. Par cet acte que nous faisons chaque vendredi. Hein? Amen. Et ça transmet véritablement nature naïe. Le balançant de l'obin a mis son entrée à communion. On a mis son à chaque vendredi. Et son père a mis son bonzambé naïe. Ce qui est aussi communion avec révélation. Si vous prenez cette communion avec révélation. Et qu'on transforme. Cela va vous transformer. Alléluia. Amen. Et qu'on renouvelle. Cela va vous renouveler. Après sa nature. La désalité. Son image. Il est mis naïe. Jean chapitre 6, à partir de verset 53, 54, 57, autant de références. Alléluia. Amen. Darby d'abord. Darby. Est-ce que vous êtes prêts à la communion? Amen. Je vais vous poser une question. Si ce que nous mangeons affecte notre corps physique, hein? C'est-à-dire ce que nous mangeons aussi spirituellement doit nous affecter. Qui est d'accord avec vous? Amen. Un jour on a fait une expérience avec quelqu'un qui est mince comme Alain, très mince. On lui a donné billet gratuit pendant 6 mois
de manger à McDonald's matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Qu'il mange comme il veut. Après 6 mois, de 65 kilos, si je me rappelle, il a grossi presque 200. Manger hamburger, manger ce qu'il mange physiquement, ils ont affecté. Amen. Ce que nous mangeons spirituellement est affecté à Kabiso. Amen. Ce que nous avons lié à communion avec la révélation, cette révélation que nous partageons ce soir, et qu'on amène et qu'on renouvelle et qu'on renouvelle l'homme intérieur. Amen. C'est automatique. Et à quel point ça? La communion, ce n'est pas une religion. C'est un acte spirituel. Les apôtres qui allaient ici dans la communion en Égypte, ils ont besoin de force. Et dans le Nouveau Testament, encore, il a répété ça. Au Nouveau Testament, et dans l'acte des apôtres, bah, fraction de pain, c'est quoi? La communion. Non, fraction de pain, so, il fait les fractions seulement pour faire les fractions religieuses. Alléluia. Amen. Par la communion, homme intérieur est renouvelé. Na putu alelo yamba renouvellement. Amen. Yamba na kombo na Yesu Masiya. Amen. Tana punanga. Jean 6, ouais. Verset 53, version d'Arpi, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie. Si tu ne manges pas et tu ne bois pas, tu n'as pas la vie. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Verset 55. Car ma chair est en vérité un aliment et ma chair est en vérité un aliment. Aliment, c'est quoi? C'est qu'on mange. Ça peut être foufou. Ça peut être chikwan. D'ailleurs, dans Lingala. Lingala, le bi, chikwan. Kwanga, hein? Kwanga. Kwanga et chikwan, c'est différent. Hein? Français, chikwan, français, hein? Ok, dans Lingala, Kwanga. Ok, la parole de Dieu dit Kwanga. Dans Lingala, non? Kwanga. Voilà. Continue, maman. Verset 55, je reprends. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. C'est pour dire ce que nous prenons comme, ce que nous utilisons pour communion, c'est un aliment. Et l'okoto liaka. Amen. Et l'okotoliaka. Une nourriture que nous mangeons quotidiennement. Verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Fusion. 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 Maintenant, à cause de cette fusion, il y aura le renouvellement automatique. Amen. À cause de cette physique. Démon en moi et moi en lui. Ce n'est pas un acte religieux. C'est un acte spirituel. Il y a une communication qui se passe. Amen. Il y a un transfert qui se passe. Amen. Tu manges haricot. Mais dans l'haricot réside les protéines. Protéines, amis. Automatique. Dans la communion réside la nature divine de Jésus-Christ de Nazareth. Et comment faire cette communion? Comment participer à cette communion? Par la bénédiction d'un aliment. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Voilà pourquoi ces Pharisiens disent comment on va manger sa chair. Il va couper sa chair et il va nous donner sa chair et son sang. Comment? Et Jésus a pris le pain. Il a pris le breuvage. Il a béni ça. Il les a donnés. Ça, c'est ma chair. Il n'a pas dit ça, c'est comme. S'il vous plaît. Ça, c'est ma chair. Et ça, c'est mon sang qui est donné pour vous.
Alors, il y a des gens qui sont en train de se faire. Alors, il y a des gens qui sont en train de se faire. Même les sorciers connaissent ce mystère. Les sorciers. Il trouve physiquement le pain, mais il sait que ce pain, c'est le corps. Amen. Il trouve les arachides, mikate, biscuits. Il utilise n'importe l'os au namadeso. Mais dans la nuit, on vient te demander, donne-moi la viande que je t'ai donnée. Alléluia. Amen. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. Voilà. Verset 58. Arrête là-bas. Maintenant, référence. Écoute cette référence. Parole vivante. Référence, papa, permettez avant la... Avant que je lis la référence, je lis d'abord verset 63. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous mourir matériellement de mon corps. Il ne s'agit pas de vous mourir matériellement. De vous nourrir. Nourrir matériellement. Oui. De mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Les paroles sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Référence. Voilà. Ma chair est vraiment une nourriture. Écoute, hein, il n'a pas dit quand. Il dit vraiment, ma chair est vraiment une nourriture. Ok, réponds-moi. Nourriture, c'est quoi? Il est les amis. Le riz, le pain, madesso, fufu. Kwanga, Chikwanga. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont nourritures. Ça dit, on peut bénir même Foufou. Donc, on peut Foufou. Acclame Jésus. Je suis allé prêcher quelques années quand je suis arrivé dans ce pays, dans une église à l'unité. Et quand c'est le temps de. Communion. On m'a dit, papa, pasteur, sorry. Le pain sans levain est abîmé. J'ai dit, c'est quoi? Le pain sans levain est abîmé. C'est, ah bon? C'est un saut. Après ça, mais va acheter le biscuit. Ma parole, ça c'est l'ancienneté, religion. Alléluia. Amen. La communion, ça s'est pris par la foi. Communion et ça n'a condiment. Et ça, ma cambo, il y a pain sans levain. Ce n'est pas question de pain sans levain. Jésus a pris le pain. Il a pris le privilège. Il a béni ça. Et il a dit, ça c'est ma chair et ça c'est mon sang. Après la bénédiction, il n'a pas dit que ça c'est comme ma chair. Non, pas comme. Ça c'est ma chair. Ça c'est mon sang. Alors, mais il a utilisé. Il a utilisé ce qu'on mange, ce qu'on boit. Yes. Alors, il dit que l'IPA, il y a quelqu'un qui a été en train de se faire. Il y a un IPA. Alors, il dit que l'IPA, il y a quelqu'un qui a été en train de se faire. Voilà. Ma chair est vraiment une nourriture. Voilà. Ça assimile la vie du Christ. Ça assimile la vie du ça, Christ. Ça assimile. Ça assimile la vie du Christ. Reproduire dans notre vie, ça s'assimile la vie du Christ et ça se reproduit dans notre vie. Est-ce que on a et comme maillot renouvellement et qu'on change en intérieur et qu'on change ça s'assimile la vie du Christ. Voilà, reproduit dans notre vie les qualités qui ont caractérisé la sienne ici-bas. Omoni, reproduit dans notre vie les qualités qui ont caractérisé la sienne, c'est-à-dire Jésus, yes. Quand il était ici-bas, il va reproduire ça dans notre vie. Yes. Maintenant, tu vas me dire que ça, c'est un acte religieux? Non. Oh, non.
Ne blague pas, monsieur. Ne blague pas, madame. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une religion. Donc, il faut prendre au sérieux la communion. Il faut soit communion à sérieux, Nyonso. Il y a une vision qui se passe à travers de la communion. Les mondes des ténèbres connaissent ça plus que les enfants de Dieu. Les sorciers connaissent ça plus que les enfants de Dieu. Je reçois beaucoup chaque jeudi. Daniel, Gauthier, on reçoit chaque jeudi, mardi, quand je reçois ici. Tu vois un enfant de 8 ans, il te dit far à far comme ça. Même 3 ans. Quelqu'un m'a donné un latin. Même 3 ans. 3 ans, oui. On m'a donné des mikates. On m'a envoyé de aller acheter quelque chose. Il m'a donné les mikates. Et j'ai pris, j'ai mangé. La nuit, il est apparu dans mon songe, dans mon rêve. Donne-moi les viandes que j'étais donné. Mais ce qu'on lui a donné physiquement, c'est le mikate. Mais la nuit, on demande quoi? La viande. La viande. Alléluia. Amen. Oh, ok, continue, papa. S'assumer la vie du Christ, oui. Reproduire dans notre vie les qualités qui ont caractérisé la sienne d'ici-bas. Édifie l'homme nouveau. Édifie l'homme nouveau. C'est pour dire bâtir l'homme nouveau. Renouveler l'homme nouveau. Et mon sang oh. Est véritablement une boisson. Ce que nous délivre de la soif des plaisirs et des biens de ce monde, c'est de mourir avec Christ. Alléluia. Ton bétail est sur ma boucle, ma case. Acclamons Jésus. Qui est béni ce soir? Qui est d'accord avec moi que la communion, ce n'est pas une religion, un acte religieux? Amen. Il y a une autre version qu'on a lue dans l'école biblique. Il a dit, cet acte que nous faisons en prenant la communion, c'est de se transmettre la nature, tout ce qui caractérise la nature de Jésus-Christ. Oui, c'est parole vivante. Parole vivante. Je sais. Alléluia. Amen. Jean 6 toujours. Je crois à partir de verset 53. Référence de passer 53. Alléluia. So bien aimé. Yéba qui est en gozou, mais la communion. Quand tu prends la communion. Nature naïe. Sa nature. Et ça automatiquement. Est automatiquement. Transmettre. Na kati naïe. En toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nango kamoko des années balobi vache vol. Vache vol. Vache vol. Vache vol. Nana yébi. Vache vol. Nani, oyebi information de qui na kangu moko vache vol. Ba petit to lia inyama. N'est-ce pas? Ngombe. Soki o lia ngo vache. Alléluia. Amen. Yo lia vol de vache vol. O lia de ngombe. Ngombe. Mais poli. Poli e koti. OK. Denye moko tango zo lia communion. Ya zoto na ya Yesu. Et cotio nature naïe. Normalement, il s'engueule et renouvelé homme intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Excusez, papa, de retrouver place voilà. Voilà, merci. Référence verset 48. Merci, merci. Ce que nous mangeons, voilà. nous l'assimilons. S'il vous plaît, écoute très bien. Ce que nous mangeons, nous l'assimilons. C'est-à-dire que cela devient partie intégrante de nous-mêmes. Cela devient partie intégrante de nous-mêmes. Ce que nous mangeons. On parle de la communion, de sa chair et son sang. Cela devient partie intégrale de nous-mêmes. Ok, nani tu d'ailleurs. Nanzoto ya Yesu, sida e kovanda, dengozo lea communion elo. Maladie yoso e disparaître nanzoto na yo. Continue, papa. Ce que nous buvons pénètre toutes les fibres de notre être. Wow. La chair et le sang de Christ constituaient sa vie physique. Constituaient sa vie physique. Quand il était ici physiquement, est-ce qu'il est faible? Il est maladif? Manger sa chair et boire son sang signifie donc
mourir avec Christ et vivre de sa vie. Vivre de sa vie. C'est-à-dire, osons vivre la vie, on commence à vivre la vie à Jésus Massia. Est-ce que Corona est colonne à vie et autres à Jésus? On n'a pas dit que sa vie là-bas, mais quand il était ici, c'est qui caractérisait sa vie ici-bas. Yes. Alléluia. Amen. N'a pas tué, alléluia. N'a zélé la communion. Faiblesse, yo so, et koufa na katina yo. Faiblesse, on va continuer dans les autres à Yesu, et koufa na vie na yo. Malade, va continuer dans les autres, et koufa na vie na yo. N'a combo na Yesu, Massia. Toujours mélango avec révélation au sambeli non et non pour la limite mon limo ya songi songi et la kela mabe mon limo ya colère et la pour exacte. Amen. Renouvellement et au salani et au salani, il y a renouvellement, fusion et au salani, ya ye et qu'on domine ya yo. Amen. Ya ye et comme il faut se manifester dans ce là. Ce qui est sien va dominer le tien et va se manifester par toi. Vivre de sa vie, ce qui veut dire faire notre sa mort pour qu'elle pénètre toutes les fibres de notre être intérieur et y fasse mourir les tendances de notre homme naturel. Omoni, 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 pour faire. Fasse mourir notre tendance, notre homme naturel. Omoni, omoni. Vous avez vu? Azam de kunangai mukarbi. Omoni. Est-ce que omoni makam tozoloba? Fasse mourir tendance naturelle. Maintenant, tu vas me dire que ça c'est un acte religieux? Non, ne blague pas, monsieur, madame. Amen. Ne blague pas. Ça c'est un acte spirituel. Amen. Alléluia. Amen. La place, ouais. Pour c'est... qu'elle pénètre toutes les fibres de notre être intérieur et y fasse mourir les tendances de notre homme naturel, voilà, afin que la vie de Jésus puisse transparaître au travers de la nôtre par son esprit vivant en nous. Alléluia. Tout ça, conséquence de la communion. Yo soneza bambano ya communion. Nani apambolani. Amen. Nani asosoli. Amen. Na banzi maintenant chaque vendredi avant de prendre communion, on doit lire ça. On doit lire ça. C'est très important. Alléluia. Ce sont des mystères que Dieu nous a donnés, surtout dans ces derniers temps. Mais ça va mystère, on va passer mis sur mingi mingi na tango ya suka. Si les vaccins qu'on prenait pendant des années, notre maman, nous tous, qu'on est né, et ça lui va dégâts, et ça lui va impact dans les autres, Mangwele, à plus forte raison, la communion de sa chair et son sang va impacter notre vie. Amen. Ce qui m'a dit, tu m'as dit, Mangwele, et ça l'a marqué dans les autres, boni boni nzoto pe makila na Kristo e ko sala makambo kitoko na bomo ina yo. Il faut mettre na ba mana biso ba komina ba fibron ezo uta. Il faut poser question. Ezo uta wapi? Ça vient d'où? Ezo uta wapi? Toutes ces choses viennent d'où? Moi j'ai fait une expérience. Gana sa expérience, c'est rare, tu vas pas trouver ça dans selon c'est seulement au milieu des noirs. Kake pa ba yindo de makambo ani ezali. Pourquoi? Pour la mine. Mangwele. Vaccin. Mangwele. Vaccin. Alléluia. Amen. Toya stérilité. Toya stérilité. Et belle. Parce que selon le projet, il y a ennemi. Selon le projet de l'ennemi. Mais aujourd'hui, Kassilelo, par cette communion, la communion on assemble. Je prie. Délivrance, délivrance, guérison, guérison, intervention divine. Yes. Et ça, les manavis, na yo. Yes. Na combo na Yesu Masia. Yes. Na ligo si ba communion na yo. J'aimerais que tu prennes ta mon communion. Fils, ça c'est la prière ce soir. Oui, si ba communion na yo. Bon, na ligo tangango, na kukata yote. Bandela lissu. Écoute, s'il te plaît, ça c'est la bénédiction, la prière. Pour, parce que vous connaîtrez la vérité automatique. La vérité que vous connaîtrez vous franchira. Amen.
Okay. Nous lisons au nom de Jésus. Écoute, s'il te plaît, une fois encore, et après, on bénit notre communion. Écoute encore la parole de Dieu. Ce que nous mangeons, nous l'assimilons. C'est-à-dire que cela devient partie intégrante de nous-mêmes. Ce que nous buvons pénètre toutes les fibres de notre être. La chair et le sang de Christ constituent sa vie physique. Manger sa chair et boire son sang signifie donc mourir avec Christ et vivre de sa vie, c'est-à-dire faire notre sa mort, pour qu'elle pénètre toutes les fibres de notre être intérieur et y fasse mourir les tendances de notre homme naturel, afin que la vie de Jésus puisse transparaître au travers de la nôtre par son esprit vivant en nous. Alléluia. Papa n'a pas voulu communion à vous. Père, je bénis la communion de ce soir. Olobi, ce que nous bénissons est béni. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était allé à la croix et mourut pour nous. Par son nom. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus-Christ. Na déclaré que communion ya butwa lelo est béni et sanctifié. Amen. Na kombo na Yesu Masi. Et par cette communion, toute tendance naturelle, yes, tendance faiblesse, yes, maladie, yes, et koufa na kati na biso. Ya Yesu Masia est manifesté. Ya Yesu Masia est monisama. Na kombo na Yesu Masia. Natu ya Yesu est dominé. Natu yosu, tendance naturelle ya biso. Ya Yesu eba na kozwa expression na zela ya vie na biso chaque jour. Na kombo na Yesu Masia. Na déclaré. Je déclare. Cette communion est bénie ce soir. Cette communion est bénie ce soir. Cette communion est bénie ce soir. Yosu isa natu ya Yesu te. Ekufa na nzela ya communion. Amen. Faiblesse ekufa na nzela ya communion. Amen. Maladie ekufa na nzela ya communion. Amen. Colère ekufa na nzela ya communion. Amen. Vie ya kinumba ekufa na nzela ya communion. Amen. Masturbation ekufa na nzela ya communion. Amen. Yosu isa glorifier Yesu te ekufa na nzela ya communion. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Na déclaré au Kangolami au Pikisami. Amen. Au Kangolami au Pikisami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tosameli. Amen. Cette communion est bénie. Na kombo na Yesu, nous avons prié. Amen. 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 To beteli Yesu ba beaucoup makasi. Ngi tozo participer na communion. Banda ko participer na communion s'il te plaît. Alléluia. Participer à la communion. Participer à la communion. Qui est béni par cette révélation ce soir? Alléluia. Acclamons Jésus. Le temps de témoignage. Bétela Yesu Maboko Makasi. Sœur cadette, azope sanzame, merci pour l'intervention surnaturelle. Et loko tozo mona wa nulle part ailleurs, car on a tant de signes de prodiges. Na loba ki tango ango et se koki. Bien aimé, pratiquez ba mystère du royaume. Po yora un temps, hôpital au kede soute. Soko yemi ba mystère du royaume, oko longa monyo se koye koye la yo. Sœur alobi, azala ko komba lupan. Tango azo komba, ayo kantinti. Tu na litoi ndinjo kuti na litoi ndenge alobi douleur e bando salaye bato ba conseil baye omoni lokwa ndinja koti tia mwa mai azu mai atie douleur e s'accentue e bandi ko saigner makile bando bima yemoko de son propre gratuit le sang de Jésus atie na kata litoi bita kwa tie makila douleur e continue kaka. Mutumutu se ko baote batiaka mafuta bi oui effectivement biso peto sana oui oyo papa d'ailleurs pambolaka to benga mo l'onction toi bible lo bi l'onction détruit tous les jours.
azui atiena litoi abanjo vibrer ayoki mouvement dinda zaro sala et katani seigneurement pe et katani douleur et disparaître complètement tant voilà vers 2h du matin à mon antinjoana de mina pété. Voilà pourquoi ayoko pe santa balisiba merci oye longa te pété la yesu masia maboko makasi. Maman Pichuna a tout fait sans merci par rapport à son grande soeur, sa grande soeur plutôt. Alobi, grande soeur a zako souffri na bas ventre. Ba ken hôpital a côté échographie, ba tali kiste na myome. Fallait ba opérer. Et ba kepe ba pesi déjà mbongo opération $450. Et zaki na mois de janvier, pour le bien yoko fouta myome. Alors, dans le mois de janvier, il y a papa qui a été alors, le 4 janvier, il y a un temple de signes de prodiges et il y a un pasteur Daniel. Sous l'onction, il y a papa d'ayo à Sambé Liponaye et à Pessi Bango Instruction. Alors, chaque jour, on remet la maquillage à Yesu Masia, on a eu l'onction trois fois. Et ce qu'on a dit, c'est l'épographie. Le mystère du royaume. Le mystère du royaume. Papa le désappelle quand on a mis la misère à la vie. De quoi mérite trois jours à zongi l'échographie, bacheke, miom na kiste, wende mousultana, le bina po kwa lelo. Ata yoko sawa, miom na kiste fani, dengo meri makira na yesu masia, maladie wana wende, wende, bazongi l'hôpital, docteur na regret mioso. Alors, il faut soit à 350, sans quand même, puisque Boyagi n'a liada. Oye longate, oye pika moate, nanzela ma misère du royaume, asi guérison, offénement, et papa d'ailleurs l'oubaka. Bete la yesu masia ma boku makasi. Papa qui nous fouenne, Joseph, yé pa yé kope sans ambaliziba, merci. Alors, bi, papa bimisa ki ma loba. Osawa soko la lolota ka batu bakufa. Effectivement, papa lota ka batu bakufa trop. Mais elle a remarqué que deux fois, soka la mouki a okuta na mbetu na e scorpion. Nana tourne la vie, tout ça la va confuser belé. Plus na ki sasa to mona a mis 1000 pattes, mais scorpion il a très très rapide. Papa, nana yebi scorpion. A etale ka nenge scorpion zalaka, azana makolo, azana mouki le salabo, et sala 6. Je comprends que papa est au côté. Pour ton bon témoignage, oh, il s'agit de l'Okuta. Photo Landela. Alors, il y a des scorpions. Mais l'Obi, pour comprendre que l'esprit de mort est à l'Andaye, a suivi chemise dans le centre. A côté de maille pour soukola. Mais tant que vous soyez à Nika, scorpion bimi, et suyé dans Moussapio. Je ne sais pas que les scorpions sont à suyo. 5 minutes après. Ok. Mais papa l'a dit, tant que le scorpion est souillé, a se paniqué, a tali na moi, oui, donc ce zate. A tali na moulangi, le sang de Jésus zate. Tout n'a pas joué. Photo ambassadeur de Christ. A su photo ya papa d'ayo. A lingi na moussapinaye. A l'a dit, papa l'a dit, qui toko kou fate, toko kou fe la paye. Machopra yakura machan. Tala, attends scorpion suyo. Papa si a bimisa ki maloba. Alobi na gauche na yoba kokufa. Na droite, yo kokufa te. Na lobi yo kokufa te. Attends si ba tie yo na liste na batu ba kokukuta. Papa si a loba ki to kokufa. Papa ye kope sanza me merci. Alobi ya solo, doza de sika malonga. Oyo bika mwate. Bete la le roi de gloire. Ma poko makasi. Quatrième fois, na ye assemble na temple de signes de prodiges yangoy. Sœur Alobi, trois ans, y a sinusite, a souffrir. Ceux qui douleur et bandit faut avoir le seigneur na zolo. A quel abo pito ya nenge na nenge changement et zalagite. Mais ne comment quoi ebisi Alobi, yo souffra ton na sinusite. Biso ba biloko lokwa ba sinusite ba miom nzamba dayo Samuel Yesu Masia alia kango na petit déjeuner. Est-ce qu'on voit la table de signes de prodiges?
Sœur Aïkoué en attente de signer les prodiges. Et c'était le mercredi passé. Mercredi passé, ambassadeur à l'obi, Simbe Siko Soyo Kapas. Sœur à l'obi, à Simbi Moutou. Tango à Simbi Moutou, à l'obi, chaleur et côtelier. On a tombé en harmonie. Nous avons dit que nous avons dit Power! Baki Sananga. Alobi Power tango et koti. Ayak, n'a pas de mercredi, n'a pas de tête, n'a pas de salaire. Mais tant que Power koti, ayoki mot de tête, wana, il katalabi chaque bouton valala, fois melakis. Mais depuis mercredi, a zongi nanda pour tisiko, a ta idée, y a mot de tête, Zambada yo Samuel, Jésus Christ, a kamponie complètement. Voilà pourquoi il faut présenter, merci. Pete la Yesu maboko makasi. Alléluia. Totele mi biso banso soki opambola mi telema pete la Yesu maboko makasi. Papa denge tozo kende na sengi presence na yo ekende le kona biso. Na confie bana na yo denge bazo kende. Présence na yo est là à chacun. Na déclaré week-end oyo est la week-end moko agréable. Na kombo na Yesu Masia. Kokende na yo et pambolami. Kozonga na yo et pambolami. Comme je disais toujours, kende zonga na témoignage. Amen. Kende zonga na témoignage. Amen. Kende zonga na témoignage. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu Masia. Tosambeli. Amen.